takusanu jolof ne ngeen ko deglu day yete takusanu jolof kuko xamam dotu ko baye ndax kaddu yu fa joge day tax du nu melni ñowanama takusanu jolof sama gañ daw len deglu ko takusanu jolof kaddu yu fa joge day indi mbecc ci njabot aw lolu na sama gañ nga cengalama waaw ngoude tay ñing lay gëreum yow professeur de droit nga à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ñepp gis nañ la jamono ji ñi nga yëngo ci question de droit yi nga question juridique yi nga xamni sénégalais des fois dañ koy poser wu et que yow li tax ma ñew ci yow moy yow da nga bokul ben parti da nga bokul ni ci état bi ni ci opposition bi da nga jégewul fenn yow dal droit mo la soxal droit mo tax nga ci liggéey ba mo tax mani ku melni yow dina bax lek lek ñu di mu di ñuy éclairer suñu lanterne sur des questions d'ordre juridique yow tay gis na ni genn nga lu bari ci yenn question bi ñu waxé ci parrainage bi ñu waxé ci CDAO bi ci Karim Wad bi ak code électoral bi gis na ay bindu yu am solo yo ci bind ngouda tay suñu doon wax arrêter CDAO bi parce que dama gis neex sax agent du tiers de l'état bi néna Sénégal ken musuko amende yow ken musuko condamné plutôt yow lan ngay lan la ni meuna jang ci li nga xamni arrêté bi CDAO bi waxnako waaw dama lay geureum di la sante ci invitation yi amna solo borom parce que ñun lo rek lañu am en Sénégal lañu am parce que man nekuna fofu nekuna en France dama ko bien hein li ngeen ni def liguey bi ngeen def lolu yeb day bok ci wone ni bëgg sa rew sénégalais am nañ pass pass tay pour taxaw pour sénégal jëm kanam ñu tuddé un pays de progrès mais suma ñëwé concrètement ci question bobu non suko état du sénégal waxé ni dañ ci am xel ñaar parce que amul ben état bu musse buñu musse condamné quasiment ci CDAO parce que état yeb dañu am ay citoyens yo xamanténi dañ leen fay yobbu parce que buñu natapplé wala buñu faté di CDAO bankas bo xamni buñ koy créer liñ ko créer won en 1975 mo don intégration bo xamanteni day jugé ci ben gox par rapport ak yenen gox yi ñu mëna dajé pour def union africaine lolu nak dafa am solo parce que day tax ba nga manam ay charte di ci déggo di ci teung Sénégal du tay rek lañ koy dogo condamné hein dem na am problème ak ay citoyens ñu condamné ko ci sen abrek condamné l'état du Sénégal bu ngeen fateliko bëggone na juger Hissène Habré mais mënu ko wona juger parce que Hissène Habré bi mu démé boni mom ay akam ak yelle fam dañ ko violer dafa yobbu fa yoon donné ben muy CDAO wax ñun yeen ngeen violer ay droit mënu leen ko juger tant que téggu leen juridiction pénale internationale si lañu créer chambre africaine benen bi ci dess Sénégal jëlone na ay décision en 2012 né ay yenn dignitaire ancien dignitaire du régime libéral bu nga xamné Abdoulaye Wade mom moko jité won ak limu andal ni len yeen du ngeen genn territoire Sénégal ñoñu aussi biñu démé fofu nonu ñu condamné état du Sénégal mu jé dem même régulariser la procédure tay tamit dafa am ay citoyens yo xamanteni so xolé ñom mairie de Dakar lañu nek ñuy ay élus buñ ko faté ñoñu dem ñu yobbu len ci yoon ni len yeen liñ len jox dañ ko doon saytu dañ ci gis ni dafa am rekk dekk yobbu len ci yoon biñ len yobbe ci yoon ñepp xam nañ ni yoon bo fa démé duñu japp ni rek ya def non dañu la fa yobbu pour ñu léral ñu xol ci tiapandaw nga ndax ya def wala defo mais boy dem ci yoon dafa am no ci démé dafa am ay charte yu teureul charte yoyu nak bu ci am leunt wala bu ci am gak wala bu ci am rekk citoyen bu nek am nga 3 do xaar sax muy jeex parce que lolu mom moy tay originalité bi nga xamanteni ñun am nañ ko fi Afrique sawu jant day lo xamanteni tay mo gëna développer ci adina bi mëna ko dé lolu parce que so démé cour européen des droits de l'homme amu fa manam su fekkone tay France nga nek yow nga am problème ak état français yow tay mëno tay ji ni nga teup rek bëgg dem cour européen des droits de l'homme il faut nga bayyi ba mu yegg cour de cassation il faut nga bayyi ba mu yegg conseil d'état il faut nga bayyi ba conseil constitutionnel France wax alors que ñun Sénégal juge bi mëna tambaré sax avant muy jéxal fi Afrique sawu jant yow nga jël mbir mi dem calamé ko ci cour de justice de la CDAO boko calamé fofu nak cour de justice de la CDAO mom fu waxé wax bobu muy wax dafa am solo parce que ñun ci faté ni aussi damay wax ni Afrique
ñun dañoo def ay djéggu yu am solo té lolu Sénégal ci la bok motax li dafa am solo parce que gis nga cour de justice de la CEDEAO ñun biñ ko téggé 1975 fonctionné wul won ba 91 lañ ko tek ni commencé fonctionner donc lolu may wax 2015 lañu def réforme bobu nonu muy une réforme d'envergure muy saisine direct bobu légui cour de justice de la CEDEAO mom buy prononcé wu dafa am ben texte bo xamni texte bobu dafa am solo ci ñun africains lolu lañu tuddé la charte africaine des droits de l'homme et des peuples té charte bobu nonu bo xolé ñun Sénégal ñun ñoko initié won avec le juge Keba Mbaye. Sengor wax ni Keba Mbaye demal ñu jëma xol li ñu def ba am texte bo xamni moy texte afrique bo xamni africain ci lañu dëng ci lañu sam ba xolé sax texte bobu non dafa am ay différence ak yenen texte yi nga xamni moy texte européen parce que européen yi ñom l'individualisme occidental lañu mettre en avant ñun texte bobu nonu donc la communauté lañu mettre en avant mais texte bobu day protéger les droits des personnes notamment article 7 mu wax ay droit donc au tribunal wala muy wax le droit à un procès équitable. Et si on est du Sénégal, c'est ce qu'on dit. Nous savons que nous sommes venus aujourd'hui, nous devons juger, donc rendre justice. Parce que justice, l'État est en train de faire. Et l'État est en train de faire justice. Maintenant, les textes que nous savons, c'est un citoyen. Les textes que nous devons faire sont deux principes. Il y a deux principes, la démocratie et l'État de droit. Maintenant, si on a eu des textes, par exemple, nous savons qu'il y a un peu d'intérêt dans la procédure, ou qu'il y a un peu d'intérêt ou qu'il y a un peu de justice de la CEDEAO, Saito, Gisco, pour l'État, il y a un peu d'intérêt, 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 les effets attachés à cette décision. Madame, l'État du Sénégal, il y a un peu d'intérêt, il y a un peu d'intérêt, il y a un peu d'intérêt, parce que si on a fait le monde, il y a un peu d'intérêt. Bu boba non procès mënu fula am bo so Khalifa Sall nak dama koy waxe ni dafa am solo parce que so xolé justice de la CEDEAO même mom champ lexical utilisé ci décision bi ni ma ngi gis sax ni wax nan woy plus butif rek lañu jël etc tout ça joxu ñu la décision des juges etc mais buñu faté ni dans l'affaire Karim Wade aussi c'était la même chose bribe de décision bi rek lañu am un exemple de la décision so démé même ci site cour bi affaire Karim Wade et autres là publié wuñ ko ko amna affaire yu bari publié wuñ ko waye lolu amul solo li cour bi di décider mo am solo parce que buñu démé ci plumitif bi dinañ xamni cour bi mom vidé na sa saisie mais bimu ko vidé tay limu wax état du Sénégal da ngay xol ni tay ji ni procès amatu fi parce que procès amatu fi parce que li nga xamantene acte bi lolu nonu dañ ko violé donc ce qui veut dire tout simplement que en réalité so jëlé champ lexical bi muy le principe de la présomption d'innocence xam nga lolu sunu constitution bokoy wax daf la nan la défense donc est assurée à toutes les étapes de procédure manam yow depuis ñu lay convoquer police ba ñu lay tecc wala ba ñu lay juger bu boba lepp lu sa ak ak yellef dañ ko wara sam kenn waru ko nasaxal kenn waru ko gakkal kenn waru ko leuntal tay ji ni mu yokkat ci lenen ni len yeen nit yi da ngeen ko japp arbitrairement xam nga lolou dafa fort détention arbitraire mayafit moy lan manam yow nit yi defo dara dañu japp c'est à dire détention arbitraire moy yow ki la japp da la note dafa ñew rek japp la xëc la jaay la doole yobbu la teunk la fenn tek la fa parquet la fa mëno genn mënoto def dara lolou moy détention arbitraire détention arbitraire état buñ ko wara wax sax da nga wara ti parce que en réalité c'est une honte pour chaque état xam nga lutax parce que dans un état de droit dañu nan détention arbitraire waru fa am parce que état de droit titre de respectabilité la titre de respectabilité de modernité la parce que dañuy wax ni c'est un état soumis au droit qui ne peut pas marcher sur les lois mais qui est encadré limité et canalisé manam ay charte ko deug ba nga xamni charte yoyu nonu état bi mënu ko jalgat waye détention arbitraire boudé benn heure rek la boudé benn heure dafa yennul mana ci état de droit manam yow tay ji ni wacc nga wara tok sa keur wala gis sa njabot ñu japp la yobbu la fenn japp la fa pendant 2 heures de temps wala 3 heures de temps alors que yow defo dara wala japp bobu teggul ci yoon lolu état waru ko doxé motax ba nga xamanteni tay ji ni état du Sénégal tay mënu ko le juger tant que arrêté wul procédure manam suñu démé juge ñom cour d'appel ak le tribunal de grande instance de Dakar ñom biñuy juger pourtant amuna ay procédure yo xamanteni ni ci li la teunku won et tay dafa am juridiction bo xamanteni ni tay dafa fété kaw juridiction sénégalaise ñu bañ ko ak ñu nangu ko xam nga lan motax parce que mënu ñoo ñew ñu ni le droit communautaire est supérieur au droit national ba paré ñu ñew ñu nan la cour de justice de la CEDEAO mënu supérieur aux juridictions nationales xam nga lolu waxi kassaw kassaw la lutax wa kassaw kassaw la parce que droit communautaire dafa am l'aspect institutionnel am l'aspect matériel parce que règle yi nga xamni dañ koy jël fofu nonu ay institution ñokoy jël donc bu fekké règle yi day imposer wu ci règle yi nek Sénégal ça veut dire que institution yele mel aussi ñom ñoy imposer yoy règle té lolu nonu état du Sénégal moko accepter motax tay ji ni suma bëggé teunk avant ñuy xotal waxtaan wi moy
affaire Khalifa Sall tay ji ni c'est devenu une affaire très complexe pour l'état du Sénégal motax so xolé même ñom seni communiqué tay day xawa deug ko rak dañ ni duñ ko respecter tay ji ni ñu commencé di ko dañ koy respecter etc donc mu commencé am problème mais lenn lañ ci mëna japp moy état du Sénégal ni mu doxalé mbir yi waxuma diw defna waxuma diw deful waxuma ki mo jël waxuma ki jël waxuma tamit li amna lolu tribunal rek moko meuna wax waye li ñu meuna wax moy tribunal bi nga xamanteni mo nek Abuja mu teunk ni nga xamanteni moy fukki état yi ak juro ci Afrique Saoudienne neena mbir mi niñ ko doxale baxul donc bu fekke ni niñ ko doxale baxul te bu wara continuer ni mu nek en appel ñaar mo meuna am état du Sénégal tay ji ni mu arrêté li mi def parce que neenañ ko yow li da nga len wara ndam 100 millions ak juro mu ndam len bay len ñu nit wala benen bi stop moy mu arrêté li muy def bay len ñu ñi bi mu convoquer wat len reprendre la procédure bi manam ñu wowat len police enquêter len ñëwaat yobbu ko en instruction mu demat en jugement lolu mo fi mëna nek parce que tay bo ñëwaaté bëgg leena juger alors que ñom liñ leen ñu juger nénañ la procédure bi baxul té ci procédure bobu nga bëgg sukkandiko pour juger len amul solo parce que tay ni day melni rek tay nit ki nga ñëw ci match de football yow match bi yow arbitre bi mom mu ñëw muy arbitre bo xamanteni ñu ni ko yow da nga truquer match bi ñu né match bi dañ koy arranger arbitre bobu ñu ni mom mom mokoy arbitré wat xam nga lolou yénewul manam c'est la même chose donc so xolé tay ni l'état du Sénégal a été condamné l'état du Sénégal dañ ko condamné cette condamnation est une condamnation pécuniaire mais aussi est une condamnation juridique parce que tay bo jëlé tay par exemple en termes de droit je la nane pour le justice de la CEDEAO bu jëlé décision rek depuis le traité révisé de 93 c'est su jëlé day bis bim ko jël dañ ko wara exécuter mais su fekké en matière de droit de l'homme là ouf le gëna amé solo parce que dañ la nane non seulement mom bu fekké ni daf la ni da nga violer des droits de l'homme yow da nga ko gis le droit yoy na violer non seulement dañ la nane dañ ko wara arrêter par rapport ak ki nga xamni mo dénoncer la violation fini Khalifa Sall la donc situation donc moy ki dañ ko japp bu yénewul manam détention arbitraire donc kokou nonou on doit faire cesser ça moy manam dañ ko wara kenn dañ ko wara libérer benen bi ci top moy dañ la nane l'état du Sénégal de façon générale da fay jël tout acte manam décision yo xamni day permettre à ce que acte bi nga xamanteni ni moy acte contraire moy jugement bi ñëk am jugement bobu laluul ci lu bax parce que ci biko lal baxul jugement bobu nonou amatul base juridique motax mali forcément soit dañ leni bayyi état du Sénégal ni mom bayyi la mu yam fofu wala état du Sénégal ni man certes dina len baye ñu ñibi mais dina len convoquer wat police suma len convoquer wat police ñu reprendra ñu reprendra procès voilà d'accord fotale ci bir ma meuna donc leral yeneen yi ci deug la yow li nga wax fim toll ni kon décision CEDEAO bi daf war automatiquement ipso facto état bi waratul sax xaar daf war libérer Khalifa Sall bayiko avant de reprendre la procédure non d'accord dako wara libérer parce que xam nga lan mo tax xol len le sans lexique sans lexical bi mo am doole mo fort suñu la waxé ni la le droit à un procès équitable a été atteint c'est à dire que tay ji ni moy manam droit à un procès équitable moy procès bo xamanteni dafa jeng c'est à dire procès bo xamanteni juste xam nga bo xolé sigle le droit damay renvoyer nit ñi ci droit demal ci faculté droit yi demal lepp droit sigle balance xam nga balance moy lu tollo mais suñu waxé équité équité donc moy le juste moy le juste si la waxe ouais, le droit à un procès équitable a été violé moy manam procès bi tay dafa jeng manam tay ci ben côté le fété moy lolu baxul c'est à dire tay ji ni dafa am ben camp bo xamni dañ ko note té so xolé ñi ñu japp ni ñom lañu jox gué de cause donc dañu japp ni état du Sénégal ni même jugé baxul ba nga xamanteni tay ji ni dafa am une décision de justice bu wara ñew légui nak mu am ben droit bo xamanteni man duma dégg nit ñi diko wax mais dafa am solo mom lañu tuddé le droit à l'exécution d'une décision de justice et le respect donc procès équitable. Légui dañ la nane le procès équitable mom day couvrir l'exécution d'une décision de justice passée en force de son jugé. Manam moy lan? Am nga cour de justice de la CEDEAO mom day juger en premier en dernier ressort. Donc su waxé rek lolu moy moy l'autorité de la chose jugée. Su waxé ba nga xamanteni wax na ñepp dañ ci teunku. Légui bu waxé ba nga xamni ñepp dañ ci teunku. Li ci wax moy état yi nan lañuy def ba nga xamanteni mom limu wax ñom dinañ ko jéma respecter. Alors donc bu fekké état bi dafa bañ mom lañuy tuddé l'inexécution d'une décision passée en force de ce sujet bu boba nonou nak da ngay violer wat encore le droit à un procès équitable comprendre donc tay état du Sénégal bu bañé
mi ngi continuer wat encore di amat benen violation bu bay li nga don wax amna solo ngouda mais dafa am il y a un point aussi dans lequel souvent man damay sellu ni waxuñu ci lu bari te man daf may xawa jaaxal parce dafa ni déboute les requérants du surplus de leur prétention lool lan lay tekki waaw xam nga prétention da fay bari manam gis le tribunal buñ koy saisir da am ay moyens yi ñu soulever moyens yoy nak mom lay tuddé parfois des moyens de défense. Voilà des moyens du requérant. Xam nga ki requérant mom mo do Khalifa Sall ak ni mo andat mais manam le demandeur lo amone luñ doon laaj luñ doon sak légui ki nga xamanteni nak mom mo doon bañ luñ doon sak moy état du Sénégal motax so xolé Khalifa Sall dafa doon laaj lu bari manam donc voilà ay akam ak yelef dañ ko violer etc mais so xolé dañ ni la décision de justice soxlawul juge bi di retenir moyens yeb d'accord manam xam nga bu fekké ni par exemple Khalifa Sall da doon viser des moyens de condamnation de l'état tay di amna moyens yo xamné prospérer nañ mais moyens da fay moyens yu am solo parce que bu fekké par exemple yow même mom wax nako ñu ni non dañ ko débouter yenen moyens mais moyens yi nga xamné ño prospérer yoy ngay xol seen implication ci procès c'est à dire tay yow Mayassine mëno ñew yow nga ñew nga ni man damay viser le principe la présomption d'innocence man damay viser le droit à l'assistance d'un avocat. Man damay viser la détention arbitraire. Man damay viser li ñuy tuddé le droit à un procès équitable. Yoy buñ ko joxé. Ay mais lolu yow bu féké ni yow parce que sax ni nañuma libérer. Juge bi ni lolu mënuma ci wax mais man ci lima mëna wax moy en tout cas droit yi nga wax ni lolu violer nañ ko. Mais droit yoy nonu ñu violer ñoy permettre ñu libérer la. Xam nga lutax? Parce que ñi nga xamanteni ñolo wala juger ñoñu tay dañuy demande am ay exception yo xamné avocat yi dañ koy poser té exception yoy nonu ci lolu lay concerner avocat Khalifa Sall buñ démé devant la cour d'appel le droit à un procès équitable dañ koy soulever est ce que cour d'appel mën na ni le droit à un procès équitable n'a pas été violé mën na nek parce que cour d'appel jugé ci procédure bi yépp lay jugé lay xol ci procédure bobu nonu mënul jël la procédure diko diviser comme niko ñen bëggé def la procédure n'est pas divisible xam nga la procédure c'est une procédure d'accord donc un point jaar d'un point A vers un point B. Moy lan de la convocation des prévenus jusqu'à une décision de justice tay bi bo xolé donc bu ci amé rek en droit dañu tudde nonu nullité baxatu té nullité bi dé une nullité absolue manam la procédure elle est viciée bo xolé même le juge la mode mom dans sa démarche ni ko joxé exception yi tidéwul exception yépp so xolé exception yi gëna am solo mom da ko duggal ci xamone nañ ni exception yoyu non c'était des exceptions sérieuses lolu day indi benen problème moy manam suñu juge ñom buñu juger parfois da fay melni dañuy jema xol li arranger état du Sénégal trop buñu xol li arranger droit bi parce que li arranger droit bi moy lan nga am un jugement équilibré nga xol est-ce que li yenu na mana est-ce que li droit mom la wax parce que ñom tay li cour de justice de la CEDEAO wax xana xamone juge sénégalais ñom lañ ko wax lo parce que ñom ño wara jik ko wax le droit communautaire avant juge CEDEAO diko wax d'ailleurs so xolé liñu wax dañ leena la sa état bu lay juger dang fay dem parce que état bu nek mom mo yor la justice citoyen bu nek buñ la wowe justice nga wara dem mais citoyen bi bu démé ba nga xamanteni amatul confiance ci justice wala bu xol ni justice kat dim ko bëgg tek ni jaarul yoon bu démé cour de justice de la CEDEAO cour de justice de la CEDEAO da nan juge eh li ngeen bëgg def ni baxul wala mu ni li ngeen bëgg def ni baxna tay ji amna ñeneen ño xamanteni dem nañ devant la cour de justice de la CEDEAO ñun leen non état bi violer wul sen droit procès ba continuer wala ñu dem ni débouter leen ci nepp mais bi ni tay ji ni mëno ñew tay bëgg continuer la procédure sur la base de détention arbitraire bi dafa am lu mu teunk et cetera non affaire bi du détention arbitraire rek motax ma doon wax sank le champ l'équitable xam nga le droit à un procès équitable day don droit bo xamanteni day couvrir bañ la convoquer police bañu rendre jugement parce que lolu moy un procès équitable équitable c'est une question de procédure et une question de fond donc tous les actes de procédure dañuy concerner le procès équitable et donc toutes les décisions de fond dañuy concerner le procès équitable té procès équitable fumu amatul détention arbitraire am fa présomption d'innocence ñu violé ko absence de présence d'un avocat ñu violé ko way ala kulli alim fofu nonu bobu procès baxatul dañ koy reprendre nexé état du Sénégal mune man bayina yamna fi parce que ça demande beaucoup d'argent etc wala état du Sénégal bi man de donté ni décision dal na sama kaw dogal dina ko nangou mais dina len baye ñu ñibi mais dina len wowat ñewat kanam tribunal parce que dama bëgg li leer en tout cas ñaari yoon yoy la état du Sénégal am ñaar sa ñaar yoy leneen luñu mëna def dañuy jalgat yoon leneen lu way wax da nga top sa bakkat pour man di wax lu la neex parce que man japp na ni Sénégal dafa soxla ño xamni
war nañu wax ak seen akhu lay taala xam nga tay parparlo bi dafa bari trop c'est ça man duma wax ni khalifa sall def na duma wax deful duma wax ni dañ ko togn duma wax togn ni ko waye li yon wax moy secours de justice de la CEDEAO waxe ni nit dañu violer droit yi nga xamni moy les droits fondamentaux droit yoy non suñu ko élémentaire respecté wul procès meunta am droit yoy tay joy non dañ ko violer té cour bi wax nako moy manam nañ ko libérer mu dem suñ koy convoquer wat ñu convoquer ko wala état du Sénégal bu décider ni mom day arrêter les poursuites bu bayiko parce que lolu moy jëmmal état du Sénégal parce que état de droit aussi dañuy tax ni état de valeur la valeur yoy moy lan moy la liberté et l'égalité xam nga affaire bi le Sénégal bo démé même suñu magistrat yi dañoo dem ba wala ñi nga xamanteni dañuy juger wala ñi nga xamanteni dañu ngank nguur wala dala dañuy dem ba japp ni sax c'est une affaire de personne entre Khalifa Sall la Macky Sall non Khalifa Sall yobul Macky Sall cour de justice de la CEDEAO état du Sénégal dafa yob kon gis nga xamanteni c'est entre un état et son citoyen état bi li nga xamanteni amna katane pour tek ko citoyen bi mom aussi amna droit dem joytu ko fenen bu ko joyto fenen état bi comme mom mo bok ci organisation yoyu ni jël ay engagement buñ ko ko tege daal yoyu daf ko wara nangu xam nga rek lolu la ben juriste bu mag bu tuddu Antonio Cassis don wax ni le propre d'un gouvernement dans des affaires judiciaires c'est pas de gagner mais c'est de faire en sorte que justice soit rendue gis nga état du Sénégal walu jema gagner ci li dafa wara xol nan lañu wara joxe yoon djub mais mu gagner ak mu ñaka gagner amul sens li am sens ci mom moy mu xol ndaxam yoon wax nañ ko ndaxam yoon amna solo ci mbir mi mais dama setlu ne d'habitude ci procès même sous des états contre ben citoyen état bi meun dem lance defat un appel en général ci procès qui nous condamne a le droit de faire appel. Est-ce que par rapport à la décision arrêtée, l'État du Sénégal a le droit d'appel? Est-ce que cela a été Khalifa Sall encore en prison? L'État du Sénégal a le droit de faire appel. Parce que la Cour de justice de la CEDEAO a une belle juridiction pour faire appel. D'accord. En réalité, il y a une procédure qui est donc une procédure en réformation. Mais c'est un peu complexe. Tay sax dina wax leneen lu meuna am gis nga Khalifa Sall su ko neexon tay mom mu dem ci benen état ni état bu melni état Guinée Mali wala dara ni len yeen dama bëgg ngeen yobbu Sénégal encore ci CEDEAO pour loolu lañuy tuddé benen recours bobu le recours d'état comme lañuy tuddé le recours en manquement c'est-à-dire tay ji ni amna état yo xamni suñu xolé xamni état du Sénégal ni tax respecté wu les droits yi nga xamanteni dafa droit yo xamni ci CEDEAO la joggé wala décision de justice ñom mën nañu yobbu Sénégal pour ñu condamner le Sénégal devant la CEDEAO mais Sénégal tay ji ni liko dal tay ji ni daf ci wara teunk parce que tay ji ni amul fenen fu mu mënti dem parce que la cour de justice de la CEDEAO mom amul benen juridiction bu ko fété kaw ba nga xamni tay ji ni amul appel état du Sénégal mënu ta def appel état du Sénégal bu doon tay sax dañu ñëwon nekkon cour suprême état du Sénégal amna lu mu mëna def mom lañu tuddé rabat d'arrêt lolu dañ ko may gouvernement du Sénégal bo gisé même dans l'affaire Karim Wade la cour suprême jëkkon na jël ben décision et cour suprême c'est une cour suprême mais bi demay conseil constitutionnel wax né le ministre de la justice dafa demander un rabat d'arrêt mais fi rabat d'arrêt mënu fi am fi appel mënu fi am fi état du Sénégal lenn lam am pour def ko moy da wara exécuter la décision de justice motax d'ailleurs so xolé amul ben issue motax ñom état du Sénégal dañoo bëgg rek japp ni la détention arbitraire période bu mu nekké député ak période bi ñuy lever immunité parlementaire période bobu rek lañu nassaxal ay droits am ak ay libertés so xolé alors que lolu période bobu nonu détention arbitraire lañ ko tuddé mais so xolé juge bi waxul rek bobu violation dafa ni la présomption d'innocence la présence de l'avocat ak le droit à un procès équitable mom la la wax sank mu ne la day couvrir lepp même l'exécution de la décision de justice rendue par la cour de justice de la CEDEAO day couvrir le droit à un procès équitable donc état du Sénégal tay awul fenn fu muy jaar lolou nak liko indi moy droit communautaire lañu nek damay wax toujours ni nek ni droit international général suñu nekon droit international général tay ji ni cour international de justice meuna rendre une décision Sénégal bañ ko exécuter amul benn problème ñun condamné nañu dans l'affaire Hissène Habré Sénégal falewul cour international de justice ñun ñu ni voilà mais biñu cour de justice de la CEDEAO waxé ni ñu yeen Hissène Habré mi mënu leen ko juger ñun automatiquement dañoo daw ñu dem ci Union africaine ñu ni ko kon tay ñu défar juridiction pénale internationale ci lañu créer les chambres africaines kon xamni bokul tay ji ni état du Sénégal mënu def appel fenn état du Sénégal mënu ta def lu dul exécuter décision de justice bi ni parce que droit communautaire la cour de justice de la CEDEAO dama koy wax tak jour c'est une cour qui a de le gis na am ñukoy ñew diko xarab diko attaquer mais cour bo xamni la dañ ko wara jëmmal ci Afrique parce que limuy def liguey bi muy def dafa am solo et buñu défé ni rek ay juge étranger lañ non juge yi fa nek état bi ñoo leen fa yobbu
am na suñu benn collègue bu fa nekk professeur Aliou Sall ci professeur agrégé mom ñi ngi fété sénégal ak fi yobbu so xolé pourtant ñi ngi fété pourtant c'est un sénégalais pour dire tout simplement que tay ji ni ñun afrique suñu amul won li fan lañu jëm amna yeneen décision yo xamanteni ni yeneen état yi dañ leen condamné amna bo xamanteni ay député togolé lañu won dañu ñew tay ji ni ñu ñew rek parce que dañu bokkon ci camp présidentiel bi ñu jek jek ji ñom dañuy def front ñu leen da ngeen démission dañu musuñu wax démissionné nañ leen biñu démé ci cour constitutionnel sénégalais mais biñu démé ci cour de justice de la CEDEAO non seulement daf ni leen won démissionné wuñu mais ñi da ngeen leen di dédommager ku nek ngeen jox leen 3 millions c'était aussi une condamnation bañ démé état togolais mom tamit da fa nek di jéma wax di jéma nak nan biñu leen réintégrer wat parce que dañ leen di indemniser rek parce que cour bi waxuko ma rappeler ni cour bi mom soxlawul di wax lepp soxlawul muy prolix amna mo yo xamni suko utiliser rek en droit dañ koy interpréter gis nga nit dañ ni la tay bo ñewé nga wara am avocat amu avocat di juger wala sa avocat wara la taxawul buñu bëggé ñu juger la ci lolu nonu mais la procédure elle est nulle et c'est une nullité absolue bu baba procès amu motax tay ji ni jugement biñu rendre dans l'affaire Khalifa Sall amatul base juridique kenn mënu ci tey sukkandiku pour pouvoir né da ngay juger Khalifa Sall il faut que état du Sénégal xamni tay ji ni yon daf ko dab yon nak su la dabé da ngay xam parce que Khalifa Sall ba mu démé di nangu mom aussi ñu juger ko yon daf ko dab buñu faté ni mom bi mu ñëwé dañu man test d'avance dama jappon ni li lay doxé ñu liko non du doxé ni kon donc mom ñëw na état du Sénégal niko yon dab na la mais mom accepté na pourtant boycotté wul procès deful dara dem ak ñom état du Sénégal mom aussi ñu yobbu ko CEDEAO ñu wan ko ni yow tamit yon dab na la parce que procédure bi nga jaar ba tej ni wala procédure bi nga jaar ba juge ni ba condamné ni man dama lay condamné parce que yow ni ko doxalé baxu c'est la même chose état bi dafa condamné fi ñu condamné ko fé mais ban mo ci upp solo ban mo ci supérieur parce que le cour de justice de la CEDEAO di wax da fay imposer wu suñu juridiction xolatal bu baax limu wax ma yassi cour bi dafa ni état du Sénégal a violé les droits de Khalifa Sall et de ses co-détenus par le truchement de ses autorités judiciaires et policières kan moy enquête du police oui kan moy juge de justice exactement exactement et puis il a dit que la détention de Khalifa Sall en la proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel du 14 août et celle de la levée de son immunité parlementaire à savoir le 25 novembre 2017 est arbitraire donc arbitraire, le mot il est dit c'est ça donc le mot il est dit mais bien sûr en réalité man lima ay wax tout temps xam nga man dama togon ci ben radio sax demon na sax ba wax elen Khalifa Sall kenn meunou ko juger tant que levé wuñu immunité parlementaire su ngeen xolé sax état du Sénégal dafa daw doon jema rattraper wu parce que ñom ñoo fi taxawon ni Khalifa Sall amul immunité ñun professeur de droit ñu wax ñu ñep ñu ni ñu no yeen da ngeen ni wax rek lu ngeen neex ngeen di wax et pourtant bañ leen koy wax dañ ni leen ñun immunité c'est une règle d'ordre public Mayassine, immunité, boko amé Sénégal, loi Sénégal, ni mu tuddé daf né le juge bi bu nekké dafa ñëw jakarlo ko xamné dafa am immunité. Juge bi mënu ci dara. Juge bi lan la mëna ñëw day arrêter procédure am dem laaj l'autorité compétente. Dama lay jox exemple misal rek. Tay ji dañuy wax l'affaire Prodac. Bo xamné dafa ko concerner ben ministre. Est-ce que ministre bobu suñ ko bëggono juger? Ci lool mëno ko juger. Dama bëggon rek nga wax ñu lutax Mambay Niang par exemple fofu la commencé dag. Mënuñu ko juger actuellement ci l'affaire Prodac bi xam nga dama non dama ni boko bëggé juger xam nga lolu mom moy ku am immunité manam Sénégal ministre dañu am immunité parce que ministre article 101 bu constitution Sénégal moy wax les actes commis dans l'exercice de les fonctions so leen bëggé juger haute cour de justice rek la leen mëna yob c'est ça d'ailleurs même motax état du Sénégal lu def dafa dangereux gis nga même Karim Wade sax ken mënu ko wone juger ci devant la CRI parce que Karim Wade bañ koy juger devant la CRI pour le justice de la CEDEAO décision bu melni le djelone ne len da ngay na violer la présomption d'innocence ba paré mom il jouit d'une immunité té loi sur la CRI def ni la su procureur bi démé ba nga xamanteni dafa jakarlo personne bo xamanteni ni dafa am immunité mouni procureur bi day taxaw parce que immunité c'est une règle d'ordre public motax muy delu ci wat ci lima don wax sank les juges sénégalais ñom tamit tay di ni loi da len loi nim len teunké moy ñom suñu jakarlo décision de cour de justice de la CEDEAO mënatu ñoo dem tant que décision bobu nonu ñom xolu ñu implication am ci procédure suñu ko deful ñom seen bop ñoy violer la loi les juges parce que ñom loi da leen teunk parce que loi daf ni leen le droit communautaire prime sur les lois nationales les droits communautaires dañ ko bolé suñu ordonnance majoritaire ma jox lay exemple so jëlé lu melni le droit à l'assistance un avocat par un avocat dès les premières heures règlement de l'UMOA numéro 5 xam nga do démé ci code de procédure pénale do ko fa gis
doko gis ci bir procès code de procédure pénale xam nga lan motax on n'a pas besoin de le transposer ça s'impose immédiatement motax Khalifa Sall daf ko invoquer directement demuñ sax té pourtant ci lolu le soukandiku le juge de la CEDEAO soukandiku bané len li da ngeen ko violer kon da ngay gis ni may classé sénégalais ñom parfois ñom war nañu xolaat seen liggéey ci côté bobu parce que ñom biñ leen ni reprocher ñun ñi nga xamné dañuy nekk ci faculté yi té ñun ñoo leen di former hein am nañ magistrat yu bax mais parfois dañ leen ni wax toujours ni leen la loi waru leen ko appliquer aveuglément yeen loi bi war ngeen ko xol diko saytu war ngeen ko même parfois diko interpréter bu dëngé wala bu lëndëmé parce que dafa am solo parce que droit da fay lo xamné dafa sew so nekké homme de droit so nekké magistrat da nga wara mobiliser tous les textes mais so xol juge ñom le droit communautaire bi nga xamné suñu droit la bok ñom duñ ko wax dañ koy jël diko jëma tek à côté lolo tax fu état du Sénégal démé rek dañ koy condamner ma Yassine ma jox la tay ben exemple est-ce que xam nga ni code électoral bu Sénégal jëlul situation des personnes en détention préventive bu gonta ci ñew tay ji ni ñi ngi wax liste électorale ñi ngi wax radiation etc ben nit bu nekk ci liste jugé guñ ko mu nekk ci liste mom mëna jékki xam nga bu ñu né 30 jours avant le jour du scrutin mom lañuy arrêter les bureaux de vote bu ñu arrêter bureau de vote mom mu gis ni rebeus amul bureau de vote bu rebeus amul bureau de vote mom mën na ñew ni man damay attaquer devant la cour de justice de la CEDEAO parce que man y a une discrimination parce que man mën na voter té man ken condamné guma man j'ai tous mes droits et pourtant on ne me permet pas de voter su boba non le cour de justice de la CEDEAO da fay wax ni c'est une discrimination à l'égard de ces personnes parce que amna ñu droit voter té pourtant loi Sénégal jënu leen en compte motax so xolé ñun dañuy jël ay engagement yu bari mais duñu def qualitage juridique bi wax mais aussi parfois ñi nga xamanteni ñoy les agents de l'état la plupart du temps buñ ko doxale li wax nga xamanteni ni lañ ci day bari tay l'état du Sénégal est tellement exposé pour ñu mën ko condamner devant la cour de justice de la CEDEAO so xolé ni prison yi di doxé so xolé ni police yi di doxé so xolé ni gendarmerie di doxé so xolé ni yenn corps yi di doxé et cetera so en matière de détention dans les commissariats fenen po mën ci jël wala dara dañ ñu nane toujours ne police wala gendarmerie wala ñeneen dañ leen di ñaax parce que tay ji ni Sénégal mom nekul mom rek parce que dafa nek ci environnement bo xamanteni dafa am ay règles yo xam dafa teunk ñepp donc so xolé tay par exemple ni ngay détenir nit ñi tay par exemple suñu nek ci cellule bobu nonu waru nek ci cellule infect dafa wara set waru ñu fa jël ay maladie et cetera té lolu yépp ay droits fondamentaux la ay droits de l'homme la dañu tay ji so fa tek détenir ko ci yenn condition yu baaxul rek day don un traitement inhumain et dégradant té traitement yoy nonu so xolé dañuy jouer ci procédure bi c'est qu'il faut dire tout simple on est tellement tenu de faire des progrès, de faire des sacrifices. Il faut une certaine sensibilisation. Sensibiliser les acteurs, les magistrats, les policiers, les gendarmes, les gens de justice, y compris les citoyens. Nous avons aussi une attention. Pour être dans le cours de justice de la CEDEAO, on a gagné l'État du Sénégal. Mais on a fait l'État du Sénégal aussi, il y a un peu de temps. Il y a aussi un peu de temps, il y a un citoyen. Donc, pour le justice de la CEDEAO, ce qu'il dit, citoyen, il faut être temps, l'État aussi, il faut être temps. C'est ce qui est le Mais Ngouda, ce que tu dois dire, c'est qu'il y a un peu parce que sans transition, il faut venir à l'affaire Karim Wad. Parce que toi, tu as dit qu'il y a des gens qui ne sont pas condamnés, donc tu dois être dans la liste. Mais par exemple, comme Karim Wad, tu sais qu'il a condamné, mais des gouvernants ministres de la Justice qui disent qu'il dispose de ses droits, toujours de ses droits civiques. Toi, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il faut venir à l'élection candidat, avant d'être candidat. Voilà xam nga lima ci xalat moy waxon nako neena len ñun dañu nek matière bo xamni c'est une matière électorale nit ñi dañuy faté lolu gis nga ma Yassine en matière électorale dañ nan la toute limitation doit être observée de façon stricte limitation yu ci bari dañ ko dakk gis nga nit kenn mënul la téré nga voter tant que décision de justice mënul ñew dakk la pour nga mëna baña voter bo xolé Karim Wade procès dañ ko tej ci 6 ans mais juge bi ni mu jëlé li nga xamanteni mo la ko parquet don laaj juge bi parce que day am lu ko parquet di laaj day am lo xamanteni défense bi mom daf koy contester bien sûr waye juge bi mom aussi day am lu muy joxé lo xamanteni ci li di wax les parties yu tuddel len ko ci la koy jëlé ak li texte yi wax mais di texte yi wax c'est très clair normalement buñu la tejé 6 ans yow dañu wara prononcer ces droits mais juge bi dafa ni mom gisul texte bi lu ko meuna permettre mu prononcer la déchéance mais suñu prononcer wul la déchéance à ton encontre moy yow tu conserves tes droits civils et politiques manam juge bi waxuko mais yow tes droits restent intacts motax sidiki kaba bu genn wax ko legui sénégal ñu ñew
dafa am lu am solo lo xam dama koy wax chaque jour gis nga mayasine sunu code électoral bi suñu code électoral bi baaxu xam nga lutax baax lutax baax ci France et bañ ko recopier ci France gis nga article L31 bobu non bi nga xamni mom lañu invoquer pour ni Karim Wade muñu nek ci liste waaw non le conseil constitutionnel bu France dafa ni baaxu conseil constitutionnel bu France en 2007 dafa ni article bobu baaxu bobu mo don article L7 le tudone ci code électoral bu France mais fi mu sukkandiku moy dafa jël ben principe bu ñu tuddé la nécessité des peines manam nit ki mënuñu ko ñëw ñu tej ko li ba paré tégal buñ ko ci dara yow nga bëgg ñëw yokal ko ci lénen kon xam nga ni juge yi buñ la condamné feulé yow condamné né la feulé code électoral bëgg la ñëw bëgg la yokal dara day am problème motax code électoral bi comme conseil constitutionnel moko waron saytu tanam ko sayto baxul dama ko yag diko wax ni conseil constitutionnel mom du def ligéyam nim ko wara defé conseil constitutionnel du Sénégal parce que conseil constitutionnel Sénégal bu defon ligéyam nim ko wara code électoral bi ni dañ koy ñuulal parce que code électoral bi ni limul yak ci élection présidentielle dafa bari binduna un article récent ak ben collègue wax ni l'incompétence négative l'incompétence pardon matérielle du législateur parce que c'est ça dañ ko dan def depuis 55 ans moy président de la République moy première institution bu dëkk bi bi koy jëmmal conseil constitutionnel ñew changer règle yi nga xamni mom lañuy falé jittu rew manam président de la République ni ñi falé sax au conseiller des collectivités locales moko ëpp jëm comme niñ koy falé légui parce que disposition ordinaire la ko def té téggul fenn mom néna renvoyé wuñu loolu té pourtant mom bamuy bañ ni mënuñu ñoo wañi mandat présidentiel mandat président de la République dafa ni waaw daan nañ ko def amna 25 ans depuis 91 buñu daan def même sax bu amé loi bu bess sax bu ñëwé en tout cas président bi fi nek mandam daawu ñu ko concerne lolu aussi lañ ko wax diko yawit depuis 55 ans président bi nga xamni moy première institution de ce pays est-ce que yow mën nga ko rabaisser nonu di jël des dispositions à caractère ordinaire diko changer à la place des dispositions à caractère ordinaire mu def lu ko neex conseil constitutionnel def lu ko neex tay ji ni motax ba nga xamni so démé xol code électoral bi dafa perdre sa cohérence mais li ci am solo tay moy dañuy demat ci benen contentieux parce que ki nga xamanteni ni dañu leena radji melni Karim Wade waro na meuna amna possibilité dem devant la cour d'appel té bu démé devant la cour d'appel depuis le 20 mars 2016 référendum bi dafa am lu bess indi na exception d'inconstitutionnalité exception d'inconstitutionnalité bobu day tax ñu ñom ñu déllu wat ci conseil constitutionnel liko article L31 bi ni mengo wu le constitution bu Sénégal man nak conseil constitutionnel man démarche bi may def man sa démarche man rassurerou parce que conseil constitutionnel mom bo jëlé la règle du précédent mom limuy def yépp moy lu arranger ngour té lèr na mëni man depuis 2012 ba légui conseil constitutionnel amna fi ay loi yo xamanteni jaarul yoon mengo wu la constitution té daf koy bay ay mu jall lolu nak motax ba nga xamni tay ji ni kenn mënu la wax ni la ni tay ko xamanteni tay dañ la condamné te prononcer wuñ la déchéance ñu né la yow amoto donc voilà say droit mais ces droits restent intacts mais droit yoyu nonu maintenant dafa am lu ko indi lu bess lo xamanteni moy article L31 bobu té article L31 bobu mengo wu la constitution man wax nako légui lenn mo meuna am les partisans de Karim Wade ñom dañu wara témat sur le terrain juridique jëma xex lool ñom aussi parce que état de droit lañu nek loolu la wax ni confrontation ni insulte ni excès man non la koy tuddé moi je dis juste il faut des combats de principe des combats de valeur état de droit ñep la fi nekkal ñom buñu démé ñu xol juge luñu wax même buñ ci teunkuul sax dinañu xol juge lan lañuy wax et cetera par rapport à article L31 parce que néna len tay ji ni code électoral bu Sénégal li ci bari leunt lañ ci dafa bari code électoral bi jërul sax les personnes en situation d'handicap code électoral bi jërul sax la question du vote par procuration manela sans code électoral jërul sax la question n'est-ce pas du vote des personnes en détention préventive lolu lañuy tuddé le traditionnalisme du droit électoral français en 1969 la ben auteur buñ doon tuddé Philippe Ardan da ko doon xex mais ni code bobu nonu bu France bu yagg ba ay 1978-79 mom lañu recopier ba tay té amatul c'est à dire mengoul tu la jamono mais comme bo xolé motax tay da ngay ñew fi gis ben disposition bu fi nek nga dem fele ne lay gis benen disposition wax am c'est en contradiction té so xolé da fay am ñu tuddé la loi générale et la loi spéciale té la loi spéciale l'emporte et fini so jëlé en matière électorale la loi générale c'est le code électoral té ñun juriste dañuy wax ni lex spécialis dérogatis lex généralis moy la loi spéciale déroge à la loi générale la loi spéciale fini permettrul tay ñu prononcer la déchéance juge bi prononcer wuko mais mënu ñëw dans la loi générale tay gi ni nga bëgg fi jël une disposition bu mëna neutraliser motax tay la loi spéciale la question n'est-ce pas de la radiation de Karim Wade donc pose un problème de constitutionnalité donc ce problème de constitutionnalité là une fois devant le conseil constitutionnel doit le régler
man nak duma ni mën na nek candidat wala mënul nek candidat même quand so xolé texte yi li nga xamné article L31 même bo wu la constitution bu Sénégal. Donc suma la déggé ngouda dama bëgg bu nga éclairer ba ça veut dire que le conseil constitutionnel n'est pas même habilité à se prononcer dessus. Non, le conseil constitutionnel mënou le wax parce que cour d'appel mom moy saytu les radiations mais bo démé ci cour d'appel yow am nga droit def exception d'inconstitutionnalité lolu moy amema bi et que bo défé exception d'inconstitutionnalité conseil constitutionnel ki mëna wax parce que exception d'inconstitutionnalité devant la cour d'appel ñu ko indi depuis le 20 mars 2016 donc buñ fa démé ñom PDS buñ fa yobé lolu ci kanamu conseil constitutionnel mëna ci wax bien sûr que mëna ci wax buñu soulever exception d'inconstitutionnalité mëna ci wax donc maintenant nak xawma ndax ñom dañ ko soulever wala dara mais buñu soulever exception d'inconstitutionnalité conseil constitutionnel de ci wax parce que c'est une question qui concerne l'application d'une loi et la loi qui est appliquée donc c'est l'article donc L31 même so xol article L57 bobu nonu ñu modifier def pour citoyen électeur ama état du Sénégal parce que quoi ni ko cité motax dama nan ñom toujours dafa melni duñu déglu nit ñi wala dañuy xol ba nga xamni man ni amna genn bo xamanteni bima ko genné c'était sax pour ma may nguur gi mu rattraper wu parce que biñu ndiké dem di réviser code électoral bi am nga code électoral bi biñu ndiké yobbu disposition yi dañ ko retirer won ñu nan way retirer nañ ko et cetera boko man mi bokon na ci ñu gennon ni len état du Sénégal kat lu yobbu assemblée nationale baax parce que dafa yobbu des dispositions à caractère organique té amatuñ ci biir code électoral ci lañu ñom rattraper wu motax so xolé le retrait de la première mouture buñu yobbu won pour réviser le code pour modifier le code électoral c'était un problème technique c'est juste un problème technique donc mom ci lañu ñom ñu changer lolu motax so xolé ñom ñuy jël loi yo xamni do comprendre parfois même c'est des lois de circonstances parce que nak lañuy ñëwé avec cet environnement bouillonnant là nit ñi di wax di xëccio ngay def tout citoyen il faut être citoyen électeur le mot citoyen électeur amu fa place parce que nit ñi un citoyen boko nekké moy manam tu as un lien juridique avec ton état. C'est-à-dire que on a tous les attributs pour nous être électeurs. Maintenant, buñ yok di ci taftafal ay ñu bes rek lool day indi suspicion. Et là où règne la le soupçon, il n'y a plus de possibilité quand même donc de rendre des décisions crédibles. Exactement. Au Sénégal, ñom ñoo wara daw même muy am soupçon de la part des citoyens parce que so jëlé tay ku melni Karim Wade tay mu ni la man na nek candidat. Mel Khalifa Sall tay ji ñu né amna lu muy démé dina nek candidat yow nga ñëw di duggal ay réforme yu bëss yo xamni dafa am lay ay affaire yu ndaw yo ci sëreexal mais lool day téxel da fay téxel motax état da nga wara sérieux ci li ngay def amna règle yo xamni même dañ lay wax ni c'est une affaire de gentleman et de grande dame c'est ça la démocratie bu xasse téggu waruto ko sanction lool nak day wone ni rek ñun suñu bankas aussi war na leen xol parce que Sénégal buñu amone des contre-pouvoirs constitutionnels yo xam dañoo am doole lu melni conseil constitutionnel kon yoyu du ko nangu conseil constitutionnel manam loi bi ñu ko joxone sur le code électoral normalement da ko warona andi mais da ko bayyat mu jall lolu lay wax bo démé tay ji conseil constitutionnel mom mo tay ji day rendre des décisions à la place des actes lan motax parce que dañu ñew ñu def référendum en 2016 conseil constitutionnel ñu ni ko yow des référendum bi dinañ ci yok lu bes ba nga xamni yow comme amone na problème décision acte yow di ngeen ñu mëna permettre président de la république de le saisir pour acte ñu dem ci loi ba am luñ ci sëreexal article 24 ñu né le conseil constitutionnel les décisions en toute matière bu bayiko mu jall bo ñëwé ñun ci juriste dañ nan le conseil constitutionnel a filé le moustique et laissé passer le chameau manam do mu le comprendre le conseil constitutionnel limi def da ngay dem ba yow sax da nga nan bon est ce que jaratil nit ñi difa dem mais man dama nan toujours jar nako parce que état de droit la ñu né état de droit mais ñom lolu moy seen liguey ils sont payés pour ça il faut que citoyen difa dem di lek laaj nan len li ngeen wara def ñom ñu xol en fonction de leur intime conviction lu ñu wara def mais aussi ñu xamni ñom aussi waru ñu ñew rek di def xamantene da fay arranger nguru Sénégal mais da fay arranger lo xamantene la république lay arranger parce que ci république lañu nek té république bo ci nekké da ngay am ñaari valeur yu muy doxé lolu juriste mo lañ wax la liberté et l'égalité nit ku nek nga am say ak sa yalla ba par ñu tollal le ñep mais ngoude man suma la déggé ngay wax fim tolli parce que dama ñaan par exemple état du Sénégal su libéré won Khalifa Sall par exemple reprendre le procès condamné ko à 5 ans pour détournement de deniers publics xam nga bu baba Khalifa Sall amul droit présenté ou ci ay élections législatives pour aux prochaines élections présidentielles parce que ses droits civiques seraient voilà retirés voilà
wala mën na présenté wu ba légui dégg ba li nga wax bu baax dama né Khalifa Sall tay non Khalifa Sall mën na présenté wu ba légui Khalifa Sall mën na présenté wu Khalifa Sall amul lenn lu koy téré mu présenté wu xam nga dama joxé ay date néna le 24 août dañuy commencer les actes de parrainage la collecte parrainage mën ko téré mu don candidat il faut qu'un jugement définitif manam il faut nga dem ba cour suprême juger ko définitivement pour nga mën ko xagn mu mëna nek candidat d'accord kon donc yeguñu fofu té élection dess bari wul ba paré dina wax ni tek ni article 28 biñ ko changer avec la loi sur le parrainage dañu gëna yokkat délai parce que dañu ni les candidatures sont déposées 60 jours au moins avant le premier tour avant le jour du scrutin voilà 75 jours au plus donc Khalifa Sall tay suko nekhone su dess premier jour ouvré mu dess 75 jours bu ko nexé meun na dem wuti casier judiciaire Khalifa Sall tay bu wuti won casier judiciaire bu vierge lay am té dañ né un casier judiciaire datant de moins de 3 bu vierge lay am parce que condamnation définitive c'est pas une condamnation définitive alors que l'appel est suspensif donc casier judiciaire am kenn mënu fa bind condamnation motax dafa meuna nek candidat dara mënu ko xagn fim tollu ni d'accord lolu rafetna ci leral ko parce que nit ñi ñang makoy laaj dal ni parce que il a été condamné pour 5 ans avec te sunu condamné pour 5 ans pour détournement de deniers publics da ngay perdre ses droits civiques mais est-ce que yow fim toll ni gis nga donc participation Karim Wad pour yow c'est clair et net bu Khalifa Sall c'est clair et net dama bëgg mu ñu am ci ki dal non participation Karim Wad mënuma ko wax parce que déjà dañ ko rajé buñ la rajé ci liste yow il faut nga dem contentieux légui juge ñom ñoy wax ndax radiation bi baxna wala bax ba paré amna réforme bu bess bo xamni conseil constitutionnel wax dañu réforme bi jaar na yo donc Karim Wad mom participation tay ji ni il faut mu respecter yenn condition yi parce que rajé nañ ko donc il faut mu dem en contentieux mais benen bi ci top moy règle yi dañ ko changer mom la doon wax parce que avant ñuy modifier article L57 mënon nga nek candidat té do nek électeur mais légui pour nga nek candidat il faut nga nek électeur pour nga rajé nek auto électeur mënoto nek candidat donc lolu tay lu bess luñ ci yok bo xolé donc man mom kawam il faut tay ji ni mom mu dem mu contester ko devant la cour d'appel ñu xol mais limay wax ci lolu dal en tout cas article biñ ko téré pour mu nek candidat article bobu même bobu la constitution du Sénégal en tout cas parce que article bobu même conseil constitutionnel bu France wax na ni baxul té ñun suñu conseil constitutionnel bu France lay teunku té article bobu non nous manan da fay violer li ñu tuddé le principe de la nécessité des peines da fay violer donc li ñu tuddé les droits de l'homme les droits fondamentaux maintenant bo jëlé ku mel Khalifa Sall tay tant que amul un jugement définitif mëno ko téré mu don candidat parce que dañu la nane il est présumé innocent la défense et la présomption d'innocence s'appliquent à toutes les étapes de procédure. Manam il faut ñu dem ba mu am un jugement définitif ba nga dem ba cour suprême mu vidé ko. Lolu motax Karim Wad mom bossam man mënuma ci wax sori ci tank de bossu Khalifa Sall mom Khalifa Sall tay ji ni mom so demone tay lay koy wan moy so demone tay Karim Wad casier judiciaire am mën nañ ci dañ fay bind condamnation mais Khalifa Sall so demone casier judiciaire am kenn mënu fa bind condamnation mais lolou taxul ni ñu ni ki mën na doon candidat wala ki mën ta doon candidat parce que conseil constitutionnel rek moy wax ku mëna doon candidat parce que conseil constitutionnel mënon na wax sax ni Macky Sall mën ta nek candidat attention parce que tay ji ni conseil constitutionnel mom rek moy wax ku nek candidat man sa damay gis la loi sur le parrainage dama kay wax ni électeur bu nek ben candidat rek ngay parrainer mais duñu parrainer candidat lolou ñi bind loi bi dañu joom xawma luñu bind lolou mais candidature lañuy parrainer kenn du parrainer un candidat parce que les candidats c'est-à-dire que actuellement loi bi limu wax moy 35 jours avant le jour du scrutin le conseil constitutionnel arrête étudier la liste des candidats donc conseil constitutionnel moy wax ku meuna don candidat moy wax ku meuna don candidat donc Karim Wad mom il n'a pas se battre devant les juridictions pour montrer que ni mom meuna don candidat parce que il n'a pas perdu ses droits civils et politiques parce que juge bi prononcé wuko lolu mom jorul sax ñu ci wax parce que la décision de la CRI mentionné wuko fenn suko mentionné wul fenn sax avec perdre ses droits civils et politiques ni ci dess nak moy article L31 bobu nonou est ce que dakoy empêcher mu don candidat ou pas en tout cas néna article bobu même gogou la constitution du Sénégal en tout cas té France dañ ko fa sanctionner c'était l'équivalent de l'article L7 du code électoral français bi ci dop muy Khalifa Sall mom tay dara mënu ko téré bu don candidat parce que amagul un jugement définitif
amagul un jugement définitif, l'affaire est en instance, il faut mou dem ba cour suprême, manam fiñu jugé appel même buñ ko condamné watone day continuer, il faut ñu dem ba mou am cassation en la cour suprême meuna décider. En tout cas lolu ci la meuna wax, mais pour Karim Wade il faudrait quand même donc que la cour d'appel puisse vider ça, parce que suñ ko radié mom mou tok non xolé dañuy japp ni radiation bi elle est définitive et l'acte de radiation donc voilà dafa am période boko meuna contester. Si on conteste la période bogue, non, rek, so def nan, do ko meuna contester. Donc, oui. Mom lañu tuddé la période contentieuse. Donc, motax mom daf ko wara dem calamer ko devant la cour d'appel. Su démé calamer ko devant la cour d'appel, amna droit aussi soulever exception d'inconstitutionnalité, yobou ko devant la cour, devant le Conseil constitutionnel. Ah, lolou kon lerrna. Mais ngouda dañu terminer rek ci ci code électoral bi tay, parce que gis nañ ni amna bind bo ci def bu am solo. Voilà, l'incompétence matérielle, le titre, l'incompétence matérielle du législateur à définir le régime de dépôt de déclaration de candidature à l'élection présidentielle. Lolu, il faut que vous voyez que sur le code électoral, il faut que vous jamono ji suma si je may exagérer un peu mais lolu la bëgg wax parce que yow est-ce que fim toll ni code électoral bi waratuñ ci mëna def élection présidentielle en tout cas code électoral bi ouais. Ma Yassine Conseil constitutionnel dafa jël le risque parce que xam nga lan mo tax gis nga même li ni moy li ma doon wax day téxel parce que man bëgguma wax sax des questions de personne. Mais il y a des candidats qui sont candidats partis. Et il y a des règles qui sont en train de faire empêcher de donner candidat. Comme il y a des dispositions à caractère organique, nous pouvons faire en disposition à caractère ordinaire. Moi, je suis juriste, je suis publiciste. Je vais vous toujours dire que le code électoral de la FNEC, les dispositions constitutionnelles, madame, l'article 28 et 29, qui sont définir le dépôt et la déclaration de candidature, de faut neutraliser. Les dispositions là, il n'est qu'on faut. Ils ont neutralisé l'article L31. Les gnomes, ils ont changé quoi, d'accord, à des dispositions à caractère ordinaire. Ils ont un produit de substitution. Bon, comme ils m'ont compris, Romain, ils ont dit d'accord. Donc, lors de la commande de Tayi, il a fait tel qu'il y a une année, quel est le problème? Parce que aussi, l'état de droit, lors de la commande de Montesquieu de Codanoua, il est un gouvernement moderne. Il est un gouvernement moderne, mais quand il dit Montesquieu de Codanoua, ça va permettre la liberté politique. Mais d'ailleurs, un gouvernement modéré, moi, le gouvernement qui accorde une place de choix à l'opposition et qui favorise l'alternance. Mais si vous voulez favoriser l'alternance aussi, donnez aussi donc d'empêcher les opposants, nous nous donnons un candidat, nous nous donnons un candidat. Ce qui veut dire tout simplement que donc régulier, donc si on est tous les yeux à maintenir, nous faussons, nous nous donnons un scrutin sincère et loyal. La loyauté d'un scrutin repose sur ces règles, sur des règles de compétition, sur des règles de dévolution, sur des règles de transmission. Les règles de l'union, c'est qu'il faut se dire que les gens qui ont des 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 règles de circonstances pour régler des problèmes. Ils ont fait en 5 jours. 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 Mën nga ñëw tay ji ni par exemple voter ak document d'immatriculation. Est-ce que xam nga tay ji ni ñu jottagul seen carte d'électeur tay, est-ce que ñom tay mën nañu tay ji parrainer ak document d'immatriculation? Waxaguñ leen ci dara té pourtant amna une décision du Conseil constitutionnel bu nekk fi té ku wara mëna voter wara nga mëna parrainer. Waxaguñ ci dara, motax ba nga xamanteni code électoral bi dafa perdre sa cohérence. Ñu loolu lañ ko tuddé. Le code électoral est devenu un code qui a perdu toute sa cohérence, Mayas. D'accord. Toute sa cohérence parce que tout simplement, il faut nous dire contredire des règles constitutionnelles. Mais au-delà de ça, il faut nous même avoir des contradictions au niveau interne. Vous avez les codes bétail, par exemple, il faut dire le sol du parrainage, il faut à côté, il faut dire le dossier de candidature, il faut dire que vous rejetez ces signatures, ou alors, il faut 48 heures pour régulariser. C'est le conscient. Kon ñom dañuy ñëw bind ci code bi buñ ko yobé ci conseil constitutionnel aussi, conseil constitutionnel diko valider. Motax Sénégal tay ji ni man lool la wax ni il est temps que les acteurs politiques mëna tok mëna waxtaan ci lool, parce que man dama japp ni élection c'est le béaba de la démocratie. War nañ mëna waxtaan. Abdoulaye Wade mi dañ nañ ko fi condamné sax taxul ni dañ dan tok jek yu jël une loi d'amnistie ni ko bakkal mu bok, parce que loolu man dama japp ni mom moy élégance républicaine. Mais suñu ñëwé tay ji ni un processus démocratique, c'est des acteurs d'envergure, quoi qu'on puisse dire. Xam nga tay élection buñu dem tay parti socialiste amul candidat, PDS amul candidat, Sénégal li def ni élection bobu nonu Sénégal élection présidentielle bobu dina am jëm wala dina am ben crédibilité.
Mais nañu xolaat parce que ñoy les deux plus grands partis actuellement buñu ci parti socialiste mom bot na feulé amul candidat PDS ñom ñi ngi ngank fi ñu ngank buñu démé ba ci pandogo ñu leen sen candidat ci baax bu boba lan moy am ñu am les deux plus grands partis yo xamanteni amuñu candidat mais lool non baaxul ci démocratie sénégal biñu défé ce semblant gis nga lool mo baaxul parce que mali bo xolé sen problème fofu la joggé dañu tok japp ni amna un pseudo consensus autour de ATT ñuy wax ci ni voilà ñun nak nit ñi dañu wara wax pour l'intérêt du Sénégal wama pour ma samba waxuma pour ma demba wama pour ki mais il dafa am des moments yo xamanteni il faut que les acteurs se parlent et que président de la république mom ci bopam mu baña deuguer bop dama japp ni amna ben moment bo xamni moy jël ben auteur ta politique parce que man pour man bo xolé tay barki demb li xew ko le guiné équatorial né Théodore Obiang Nguema dañ ko ni dañuy am tay opposition daf liko ñun pour ñu mëna dialogue ak yow il faut nga am mu jël une loi d'amnistie mais amnistie na ñepp ñu mëna dem di dialogue c'est ça mais pour quoi até di ni bob bu ba tay ñu nek li bëpp yu ba taw def tay opposition sénégalaise lo leen mëna reprocher tay di nga xamanteni ci ben ko côté kat wax ñu ko né bi bari ci ko xamanteni mo ngi yaara won gagner muy Dakar ak Touba ni doxale élection yi ñom ñu ñëw ba la taxaw xam nga ñoñu lolu c'est frustrant ba paré may wax benen affaire élection présidentielle do élection législative dafa complexe parce que Afrique élection présidentielle limu jaral les opposants jaralu leen ko pour élection législative ba nga xamanteni ñun Sénégal élection dañ ci yag dem mais buñ ci dem aussi dañ ci daan dem ak dem bo xamanteni dina tax ba nga xamanteni les acteurs dañuy d'accord ci règle yi règle yoy nak pour ñu mën ci d'accord il faut mu am consensus parce que Sénégal mom son produit d'exportation c'est sa démocratie consensuelle est-ce que ça peut perdre moi Sénégal amatul un produit d'exportation en matière parce que ñun démocratie de consensus la ñé yow Europe nga nek la démocratie dépasse largement les élections exactement c'est un processus de participation respect des droits sociaux etc tout ça le droit à l'eau xam nga yi am ni xam nga yi am ay problème ndox ak yoy nonu ñëmé woko def ci yenn dëkk yi bu ko def ñu wacce la xam lolu motax ba nga xamni ce produit d'exportation là bi joxe une vitrine du Sénégal mais waruñu ko neusxal dañ ko wara tek ci kanam tam ba dem def ko ci substantiel bo xam dañu protéger les droits de liberté mais tay ji ni ñi nga xamanteni ñepp xolal depuis 2012 kan mo bokku ci nguur gi fi nek ñu tejj la wala ñu japp la nga def dara Abdoulaye Wade sax bimu fi nekké amna ñu bokkon ak mom ño xamanteni japp nañ nek on a vu l'affaire Azer on a vu l'affaire Lonance on a vu ñu bari ño xam ci nguuram lañ bokkon et pourtant dañ leen arrêté won mais tay ji ni la justice tay sénégalaise ben camp rek la top ben camp rek exactement et tay stopper ben camp rek depuis 2012 mais lolu moy lima doon wax sax day indi suspicion té dama né la soupçon fu agn fu mu am rek la justice doit plus am crédibilité pour am et la justice a besoin de crédibilité pour rendre ses décisions dans la sérénité lolu nak man mom lay voté parce que jamu joju nonu mo gën Sénégal parce que man dama japp ni ñun amna ko xamanteni c'est des ressources yo xam wala ñu mëna permettre les acteurs politiques waxtan mais Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf et dañ dan tok di waxtan Abdoulaye Wade don na sax don bok gouvernement Abdou Diouf kon man animosité bi ñu fi yakar et cetera bu ñu jël les problèmes ñukoy def ni entre Macky Sall la wala Khalifa Sall la wala Idrissa Seck wala Macky Sall la Karim Wade du lolu il faut ñu xam ni l'intérêt du Sénégal est que en réalité le Sénégal aussi n'a pas le droit parfois dans certaines circonstances de se priver de certains de ses hommes politiques quel que soit leur nature quel que soit leur défaut c'est ça l'essentiel ñi fi c'est ça ni am bolo baye ñu nak sen bop parce que soko defé rek ya ngi gis nañ sen bop ci programme waaji wala gis nañ sen bop ci nit ki té lolu baaxul et pour une démocratie oui et c'est d'autant plus navrant que le ministre de la justice un professeur de droit c'est ça qui est un peu dommage pour nous les citoyens sénégalais nga xamni bon suñu yaakar yépp dañ ko doon jël tek ko ci mom parce que c'était une référence en matière de droit public Déguma li nga wax mané c'est d'autant plus navrant que par exemple le ministre de la justice est un professeur de droit donc amna yo xamni peut-être que ay erreur yo xamni de sa part ning ko soulever tay ñun dina suñu xel dina neusax ci élection yi di ñew ak ki nga xamni loi sur la parrainage le parrainage ak loi yi nga xamni fim tok ni ñing koy ak condamnation yi nga xamni ñing koy def tay ba nopi mu koy défendre alors man duma sax dugg dans les considérations de personne mais li mo meuna wax moy tay ji ni sénégalais bo jël nga am noble tank ci dëkk bi da nga wara rassurer les sénégalais
rassurer les Sénégalais, moi, vous devez rassurer avec le président de la République, ouais. Voilà, vous devez rassurer donc ben le camp, etc. Mmh. Non, parce que taille, ce n'est pas parce que le ministre de Finekal, ben le camp. Oui, c'est ça. Non, dans le temps que nous avons le camp, donc Finekal Sénégalais. Mmh. Le ministre, ça veut dire que le Sénégal, en réalité, le ministre, le président de la République, il n'y a pas de mais si nous avons le ça veut dire que la dignité de la fonction, toujours ce qui compte pour un ministre, c'est la traçabilité qu'il va laisser. La traçabilité. Lité moy li ngay baye sa ginnaw bo nekatul ministre motax lolu dafa am solo c'est à dire que ministre waru sax parlo wo ñewé tay li ngay def moy dang koy def pour l'intérêt du Sénégal c'est à dire tay yi ni le ministre quel que soit sa poste quel que soit sa corporation fu mu mëna joggé mu nekkon magistrat mu nekkon professeur de droit ak lu mu mënt nek dafa wara rassurer les Sénégalais waru am tendance tay par exemple ministre bi tay buñu jëlé une décision de justice manam devant la cour de justice de la CEDEAO mais amul droit diko commenter. Il n'a pas le droit d'aller le commenter parce que ce qu'on défait, il viole le principe de la séparation des pouvoirs. Parce que il n'est pas habilité à le faire. Parce que le nom, parquet, le procureur, les avocats de l'État, mais mom, il n'est pas parti au procès. Il est donc du pouvoir exécutif. Mom, xam nga lan la wara def, l'exécution des décisions de justice. Lolu lañ ko sante. Mais sous guéné, mom, dem à la RTS, tu vois, mais mini influencer les juges, il prépare les juges. Et ce n'est pas la première fois, il est sorti aussi pour le dire sur une candidature de quelqu'un. Man lolu la len wax man biñ ma lagué man professeur de droit et pourtant man yoruma ndombal tank yoruma dara mais dama manou munuma wax ni Karim Wade meuna nek candidat wala munu nek candidat lolu conseil constitutionnel mokoy wax mais mom ministre de la justice amul droit nan telle personne meunta nek candidat parce que suko waxé tay mu ngi orienté tay ji ni tay le conseil constitutionnel ou bien mu ngi orienté tay la décision des juges que il est en train de violer le principe de la séparation des pouvoirs lolu xel ministre bu def lolu nonou qui est en train de porter atteinte à la dignité de la fonction de ministre. C'est la dignité de la fonction de ministre impose à ce que le ministre puisse avoir une certaine posture et un certain comportement. Xam nga lutax parce que ministre bi ñëmé wuula genn tay di xarab gouvernement bi lan moko ko teunk parce que la solidarité gouvernementale moko teunk de la même manière ministre bi aussi amul droit di genn di prononcer wu sur une affaire pendante devant la justice en vertu du principe de la séparation des pouvoirs de la même manière président de la République mënu te franchir la porte de l'Assemblée nationale en vertu du principe de la séparation des pouvoirs président de la République mënu te franchir la porte de l'Assemblée nationale et pourquoi ñu japp ni principe yoy nonu c'est tout simplement de beaux textes comme ça dañ ko appliquer dañ ko wara respecter un ministre buy dem RTS di wax sur une affaire pendante devant la devant dañu wara exiger même sa démission parce que lolu man pour man de se prononcer sur une affaire pendante devant la justice surtout que ici il y a une décision maintenant ni dafa am lu undo avec des implications assez fortes man lolu lay wax c'est à dire que quelle que soit la posture de la personne na xol ni acte yi muy jël il y aura une traçabilité et ce qui compte pour un ministre c'est la traçabilité elle a de l'importance un ministre boy gérer ta fonction il y a ce qu'on appelle la dignité de la fonction de ministre pour faire par lo wara le principe de neutralité, le principe de loyauté et le principe de dignité, ñoo lay teunk. Ñett yoy buñu la teunké, amna lo xamni waroko wax, amna lo xamni waroko def. C'est ça. May gërëm sax ñi nga xamni ñi ngi Sénégal, ñi ngi Allemagne comme ak Pape Ismaël Dien qui du grand journaliste bi nga xamni recevoir na prix de jamono yi rek. Mi ngi suivre Babacar Gaye bu PDS, makoy nuyu ak Aissatou Boubacar, Isha Touré, Khadim Diop, Keba Ndiaye, Abdoulaye Sylla, voilà Khadim Ndiaye, Ibamar Diop depuis Sénégal, Khadim Ndiaye depuis Paris, Papi Pipo Sané depuis Nantes, Ibrahima Khalil Sall Mouné, le Sénégal doit appliquer la décision prononcée par la Cour de la justice par la Cour de justice de la CEDEAO. Ibrahima Mouné professeur, vous expliquez très bien et c'est clair, très clair. Je vous remercie. Après il y a Adama Ndiaye depuis Paris, Ismaël Bassek Mouné, effectivement une élection sans les partis traditionnels comme le PDS, le PS et l'AFP ne sera que des formalités pour l'APR. C'est vraiment triste pour notre démocratie. On pouvait tout reprocher à Wade sauf la peur d'affronter des adversaires sur le terrain politique. Aline Marine Ndiaye depuis Allemagne dit merci Maya. Donc le problème c'est pas les politiques, c'est notre justice qui a un problème. Dit remercier aussi Zator Mbey qui est en ligne avec Aïta Tiaw. Professeur Ngoudabou, lan ngay wax ci commentaire yi?
waaw commentaire yi li ma ci wax mooy ma Yacine man damay am benn fierté ci sénégalais yi. Sénégalais yi dañu mané ni dañoo bëgg seen réew. Xam nga man France laa nekkoon di jàngale naa université Grenoble, jàngale université de la Rochelle. Damay daje des esprits brillants, des sénégalais très brillants. Mais soo leen gisee ñoom ñëpp ils ont une cette fierté là, cette ferveur. Bala ngay fier ci Sénégal nga génn xam Sénégal tey ni ñu ko bëggee et cetera. Tey nga xam di daje ak sénégalais yi di toog ak ñoom di waxtaan yow foofu nga nekk gis nga travail bi ngay def. Pourtant tey mënoon nga dem def dara wala tey da ngay liggéey ba dimanche mënoon nga toog noppalu. Mais dox ko def parce que sa réew moo la ko jaral. Sa réew la ko jaral. Donc commentaire yooyu du ma def lu dul wane ni sénégalais yi ay démocrates lañ. Soo xoolee même tey on avance sur les dirigeants. Parfois même deux demi siècle ou bien même deux siècle. Xoolal soo xoolee débat yi yow sénégalais yi débat contradiction la débat contradictoire la ñuy def entre eux. Du am xulóo du am dara la plupart du temps dañuy ñëw da ngay gis sax autour d' un thé autour du thé wala ataya wala autour du ceebu jën dañuy waxtaan nit ñi di reetaan man diw laa àndal du am benn animosité bi et cetera parce que loolu ay valeur la moo tax ma ne état de droit ay valeur la gis nga valeur yooyu noonu ñun état de droit tubaa di jàngaluñu ko dafa nekkoon suñu tradition. Damay joxe benn exemple rek gis nga le fait que président di wax ni muy deñ wala président di ñëw di wax loo xam damay réduire sama mandat du ma ko def. Mais su doon dans l' ancien Kayor par exemple da ngay perdre sa fauteuil. Am na benn roi boo xamante ni nii dañ ko doon tuddee Daw Dem Demba. Boo xoolee le professeur Ibrahima Fall mi ngi koy wax ci benn article bu muy wax ni le droit constitutionnel au secours de la négritude et de l' authenticité. Kooku dafa manqué woon à sa parole ñu destituer ko c' est le conseil des charges qui l' a destitué. Comme nga xam ni le serment présidentiel dafa am solo en Afrique kaddu dafa am solo te yooyu dañ koy fàtte ñun. Dañ koy néewal doole. Ñu def donc xoolal on a le sort tey jii soo xoolee les Sénégalais se battent man damay gis ni les Sénégalais se battent les jeunes Sénégalais se battent les mais mieux encore maintenant ma Yacine. Les Sénégalais s' intéressent beaucoup plus à la chose publique. C' est à dire que seen i xaalis. Seen nguur. Seen doxalin seen nekkin aussi ak seen avenir mais dañuy xool ñi ñu koy jox ak ni ñu koy téye ndax ñu ngi koy sàmm parce que dafa am solo bu njëkkoon peut être peut être dañ daa nekk rek toog bay et cetera kii mais non mais léegi sénégalais boo gis bay sàmmkat bi muy nappkat bi am nga domb doon nekk université am nga domb la mën a xamal lii ak lii ak lii am nga télé am nga rajo am nga téléphone. Am nga loolu dama am si WhatsApp. Cela signifie tout simplement que sénégalais tey dañu nekk donc dañ ibbee ko tey. Te ni à travers les commentaires man loolu boobu contacté laa ci am maintenant c' est des positions yoo xamante ni ku ne am nga ci donc sa xal. Man en tout cas lu may def mooy dama leen di jaajëfal man si au même titre que noonu boobu implication laa am parce que dama jàpp ni man am na bonne intérêt ce pays là dañ ko war a jël de façon rek li nga xam ni ce qui est bon pour le Sénégal. Et ce qui est bon pour le Sénégal mooy wax boo xamante ni amul par-pardon. Di waxante dëgg. Su fekkee gouvernement moo nekk ci yoon ñu ne gouvernement moo nekk ci yoon su jàddee yoon ñu ne dafa jàdd yoon. Parce que loolu mooy am ngay wax l'affaire Khalifa Sall là. Ma Yacine. Dama naan c' est une affaire de c' est une question de principe. Tey imaginel tey mais li ko dal tey mën na dal keneen mën na ma dal tey mën na dal sama Ndiaye mën na dal sama Jarbaat wala mën na dal sama frère wala keneen. Est ce que bu nekkoon ci situation bi di nga bëgg ñu violer son présomption d' innocence le droit à procès équitable le droit mais non. Kenn bukkul ñu teg na loolu te loolu mooy état de droit parce que boo dee toog rek naan non du ma dal du man rek wala keneen la def na di yaa ngi nax sa bopp. Donc ay combat de principe la ñu war ko xeex parce que li ñu doon bañal démb Abdoulaye nañ ko bañ tey parce que dañ ci doon jàpp ay nit wala parfois ñu fi doon def loo xamante ni nit ñi daaw ñu d' accord. Nit ñi naan non lii arbitraire la et cetera ba ñu ñëw ñu def alternance second. Donc tey jii waruñoo nangu mais détention arbitraire waruñu koo nangu ci état bu tudd Sénégal. Kenn waru ko nangu ak nit ki lu mu mën ti def quoi qu' il puisse faire. Quoi qu' il puisse faire gis nga bu doon états unis la états unis dañ la naan nit ki lu mu mën ti def bu fekkee ni yow ñi ko topp benn document yi am na bu ci lënt wala am na rëq dañ koy bàyyi mu dem yoonam gis nga l' affaire Dominique Troscat c' était ça. Dañoo xool ni voilà am na lu ci leerul ci procédure bi wala et cetera dañ lay bàyyi. Parce que état de droit moo demee noonu parce que dañu naan état am na kaay yoo xam nit ñi amuñu ko l' état est considéré comme la partie supposée la plus forte. Donc bu matalewul lenn li dañ ko koy teg même sax bu fekkee l' état est de bonne foi amul woon yenn sañ-sañ yi pour matal ko waaye danaan ah man kat yoon da exactement su ko yoon dabee nag nangu ko. Loolu en tout cas man loolu laay wax di gërëm ñëpp jaajëfal sénégalais yi aussi. ñëpp ko bokk nit ki nit ñi nga xam ni dañoo bokk fu nekk aussi nañu xam ni aussi Sénégal moom moo ñu dënk ku ci nekk aussi boo amee tamit li nga bëgg am koo gëm aussi nañu xam ni Sénégal moo féete kaw lépp loolu laa jàpp. Zator Mbaye conseil du président mi ngi lay wax naan la.
ma wax la ni Zator Mbaye le conseil du président mi ngi wax nan le président de la république n'a éliminé aucun soi-disant adversaire politique. Regardons plutôt les faits. La morale devrait interdire à tous ceux qui ont spolié nos milliards de participer à des élections. Ce serait même dissuasif et garantirait une bonne tenue des finances publiques. Mais en même temps, personne ne dit que Khalifa Sall a pris ou n'a pas pris, mais la procédure n'a pas été respectée. C'est de ça qu'il s'agit, plutôt, professeur, non? Comment? Damani, parce que après, il a fait un commentaire aussi montrant que le président de la République n'a pas éliminé aucun adversaire politique. Mune, regardons les faits. La morale devrait interdire à tous ceux qui ont spolié nos milliards de participer à des élections. Ce serait même dissuasif et garantirait une bonne tenue des finances publiques. Mais la question, est-ce que c'est Khalifa Sall djelna wala djelul ou la procédure n'a pas été respectée plus tôt? Waouh, man li wa djap buma la déggé bax mom dafa né la procédure man koy doyo hein ouais. Parce que mësna dajé ak mom ci ben cérémonie hein nit ko xamni ku bax la ma xam ni ku bax li ma mëna wax fofu nonu moy en réalité man waxuma vraiment je ne dis pas que président de la république mo empêché ki nek candidat wala dara mais man aussi dama nan regardons les faits dama am solo ma Yassine c'est-à-dire que mënu ñu nek dans un état de droit ñu ñew ñu né amna ño xamanteni dañ leen wara poursuivre mais ñoñu benn nit rek lañ ci poursuivre benn nit rek lañ ci condamner mënu ñu ñew nit yi nek sénégalais yépp mu am ay rapport ñi nek mu am yenen rapport yi nek ci ñom ñu jël ci kenn ko xamné adversaire président bi la rek ñu japp tek parce que buñu faté ni aussi ñun suñu justice ni ñi doxé li ci ëpp doolé moy parquet bi dafa am doolé té parquet bi bo xolé ministre de la justice moko teunk té ministre de la justice président de la république donc tu am né wé man mënuma wax lolu limay xol moy système bi nit mën né profito ci système bi pour donc empêcher ses adversaires hein en réalité mais ni way wax tay ji ni moy lend ça dit que man dama bëgg ñu élever wu là et personne ñu wax ça dit que man limay wax moy dans l'affaire Khalifa Sall si la procédure n'a pas été respectée c'est pas une question de déni public encore une fois mayasi man entre les déni publics et les droits fondamentaux je préfère les droits fondamentaux gis nga parce que être taille ni violer les droits de l'homme question des déni publics lañuy wax la question par exemple donc de la cohésion nationale etc c'est des notions yo xam dañ koy utiliser c'est des notions extensibles man gawma lolu xam nga man lan la gëm ñi tuddé des vérités de tous les temps liberté égalité xam nga droits fondamentaux manam nit ki ak xam yelé fam dañ ko sam lolu mo am solo parce que tay ji ni c'est pas une question de déni public c'est une question de droits fondamentaux etc dama ni la sénégalais bu jëw tay ñu japp ko par détention arbitraire lolu baxul ci image du Sénégal ak lu ñu mëna jural ci ay milliards baxul ci état Sénégal donc man entre les droits fondamentaux c'est dommage toujours la connexion Jean Zeidan Sall Mingnan combien de milliards le président avait déclaré pour sa déclaration de pardon juste pour ça il devait être disqualifié moralement aussi. Voilà, ça c'est un jugement personnel, hein, Jean Zeidan Fall, mais si on se prend basse sur la... Allô? Allô? Oui. La connexion... Je disais que dans un état juste, il faut des procédures justes et équitables. Dans un état de droit, c'est ça. Il faut que nous aussi, oui, les deniers publics, d'accord. Oui, d'accord, la protection des deniers publics, c'est pas nouveau. Mais et les droits de l'homme, et les droits fondamentaux, il faut les protéger. C'est-à-dire que tu dit, donc voilà, yobula teñex la tek la waaw parce que aussi dama ni Afrique dañ doyou comprendre non déni public intérêt supérieur de l'état etc cohésion de l'état etc voilà parce que buñ la waxé tay déni public jappalé ci tej la violé tay droit suba mën nañ la wax atteinte à la sûreté de l'état jappalé ci tej la violé tay droit ouais. Donc, man dama japp ni état de droit c'est ay valeurs lay doxé té valeurs yoy nonou la liberté et les droits fondamentaux ñom ñoko teunk mënu te ñew di wax man waxuma di jël na wala waxuma jull ni ko xamanteni nak dañu respecté sa ak ak yelle yobu la ci yoon budé ya def li ñu lén la nit ñi gis nañ ni ya ko def tribunal wax ko mais nañ la tej lolu les gens vont applaudir parce que lolu momay état de droit mais nit ki boko bëggé yobu ci yoon té nañ ko yobu
ben justice ba rek mëno am ben légitimité pour ka xé ko parce que nit ki boko bëggé tej dang koy tejé ci yoon dañu néla état de droit bu dul won lolu mayas du am code pénal ak code de procédure pénale xam exactement dañu nane code de procédure pénale dañ ko tek parce que procédure yi lañu jaar code pénal ñu néla les règles de fond ñi ngi ni les règles de fond yi lañu avant ñu yogg ci les règles de fond avant ñu ci code pénal ba code procédure pénale ba lañu jaar ba paré bu procédure ba baaxul tay mais les règles de fond mënu ta baax nañ bayyi lolu c'est-à-dire état du sénégal tay ji ni limi wax pour am xaliss mais pourquoi état du sénégal bu waré am xaliss wala bu waré signer convention bu ko jox xaliss day jaar ci ay procédure pour mën ko am alors quand même tek kenn aussi wala bu bëggé juger kenn aussi il faut mu jaar ci ces procédures là le droit du ay jaxat dama wax toujours ni le droit est quelque chose de très sérieux même pour que les sénégalais le laissent au juriste il faut ñu xam ni ñun suñu état yi ni yoonakoy doxal yoonakoy doxal ci ñaar yëf yoonakoy doxal pour citoyen mëna am jamm pour ñu mëna respecter seni droit yoonakoy defal aussi pour état yi mën ci am prof ndol de jaar ci yoon bobu nonu pour japp les opposants wala pour japp les citoyens wala pour japp ñene xam nga Nelson Mandela lan lañ ko jappé won Afrique du Sud sortie illégale du territoire lañ ko jappé won Nelson Mandela damay wax lolu lañ ko jappé won bu mu ñëwé lolu lañ ko reprocher prof ndol lañ ko neko sortie illégale du territoire donc motax mané droit bi toujours dañ ko wara xol diko tek loxo parce que ci lañu mëna jaar ba am liberté mais ci lañu mëna jaar aussi ba notre nit ñi ba notre juridique di wax entre le faible et le fort c'est la loi qui c'est la liberté qui opprime mais c'est la loi qui libère on lool dafa am solo man entre les deniers publics et les droits fondamentaux je choisis les droits fondamentaux parce que nit ki bu ñu respecter wu sa ak ak yelles man gëwuma ni fofu prospérité richesse ak progrès mëna fa am exactement exactement en tout cas ngoudam bou man ma ngi lay gëreum ci sa prestation tay comme ni ma ko waxone dans mon introduction suma la nawé ba dila invité c'est parce que boko ci pas au pouvoir boko opposition droit mo la ñor rien que pour le droit donc man suma amé lumay xalat wala lumay luma bëgg léral sama xel warna man ñew ci yow nga waxtaan ci ak man waxtaan ci ak askan wi sauf que final de takusanu jëlof tamit sénégalais de l'extérieur yeb dañ koy suivre depuis la France États-Unis Espagne Italie voilà Argentine ndax amna ku ñu yonné sax message depuis l'Argentine di donc nga éclairer ñu ci man dama ci da fay dañ suñu fierté dañ da fay don et puis sénégalais de l'extérieur dañ soxla lool kon nak ma di la gëreum ci sa prestation tay ci li nga wax di la wax ne la rek nek dotu mala bayyi leg leg suma amé question juridique na la yonné message na la invité wat yenen émissions pour sudé amna ay question juridique yo xamni dal état bi poser nako na la ci laaj parce que dama gis né yow ci say intervention vraiment séto ndax ki état bi la bok wala ki opposition la bok yow droit mo la ñor té ñun tamit sénégalais yi nga xamni citoyens la droit kessé mo ñu yor dañu bëgg xam li nga xamni ñi ngi koy doxal suñu biir réew ndax jaar na yoon wala jaarul yoon kon ñu dilé gërëm xana nga jël laaj tek sa dernier mot li nga xamni mën nga wax voilà mune zatorné ça va au-delà de Khalifa Sall nous souhaitons un prochain élargissement juste une question de principe il n'est nullement mentionné dans l'arrêté de la CEDEAO qu'il fallait libérer immédiatement le prévenu en matière d'élection c'est le code électoral qui fait foi et non autre chose nous sommes tous des justiciables mune grave à mon esclave Ngoudam Bey et bonne continuation ma Yassine ku bax la nak bon voilà mais il participe à un débat bo xamni man bëgg na sax ñu invité ko fi voilà inshallah Zator Mbaye parce que ku bax la tamit il a une bonne démarche et puis il est fidèle à ses principes Ngouda dama koy gëna parce que du def ma Yassine en réalité mom ci temps bi la temps présidentiel la tok fi gën di réla mi ngi wax sa position li moy état de droit amna ku nek mom lay wax da ak ak yel def xam nga état de droit moy lan c'est ça nit ki mën na yewu xam nga tu te prends un café mën nga yewu tu te prends tu publies un journal sans être inquiété tu te proposes sans être inquiété dama ko ci le métier donc opinion la et puis c'est une opinion bo xamanteni ni xam dama koy respecter donc voilà mais limay wax rek moy en réalité ñun dañuy léral ci non lay wax man duma juge ñun ne sommes pas les juges etc mais bu ñu ñëwé ñun professeur de droit yi parce que man travaille aussi bu ñu fatte ci ñoo leen di jangal am na solo donc buñu ñëw amna fo xamanteni bu amé leunt ci dem ci les scientifiques ñi nga xamanteni ñi science de leunt xam nga ñun dañuy ñëw dañu na la liberté des enseignants chercheurs est un principe à valeur constitutionnelle
xam nga loolu lu muy signifier dafa signifier ni que cette liberté n'est pas au service des enseignants elle est au service de la science et du peuple loolu moo ñu ñor donc suñuy wax dañuy wax ak suñu akku lay taala maintenant mën na bañ a arrangé kenn comme mën na bañ a arrangé ñeneen dafa mel ni rek juge buy décider aussi juge buy décider aussi décision à la kulli alin dinañ ko critiquer dina am ñoo xam ne dina leen neex am ñoo xam du leen neex dafa mel ni rek pour le justice de la triawo li mu def neexul nguuru Sénégal dafa meloon ni rek aussi le tribunal de grande instance Dakar le tribunal correctionnel bu mu jugé Khalifa Sall aussi neexul woon partie dans Khalifa Sall loolu am solo mais li ci am solo mooy am na ñoo xam ni man par exemple dama koy xool avec du recul et avec objectivité maa ngi nuyu donc le ministre Dator Mbaye di ko remercier et puis loolu la ñuy xaar ci moom loolu la ñuy xaar ci ñeneen donc ce courage là génn aussi di éclairer la lanterne am na solo en tout cas li may wax mooy de toute façon c'est des questions yoo xam ne qui sont devant nous et j'espère que nous allons les aborder avec philosophie nous allons les aborder avec de la sérénité et puis j'espère que donc c'est le cinquième cœur man loolu laa gëm man gëwuma donc voilà dom providentiel gëwuma donc nit koo xam ne moo ëpp ci jëmm et cetera li ma gëm mooy Sénégal réew mu mag la war na def yeneen jéego yoo xamante ni war na dépassé fii yëpp te je pense que Sénégalais yëpp loolu la ñu bëgg loolu la ñuy yëpp wasalaam en tout cas maa ngi leen di gërëm maa ngi gërëm ñëpp di la wax aussi ni li nga wax noonu d' accord naa ci y' a aucun problème saa yoo ma soxlaa je serai disponible pour toi pour l' intérêt général et pour l' intérêt du Sénégal. Jërëjëf kon nag Ngouda maa ngi lay gërëm di la bàyyi parce que retenir naa la pendant une heure 30 minutes vraiment te disponibilité rek nga def preuve kon maa ngi lay gërëm di la ñaanal dimanche jàmm di la wax rek ne naa la woowaat après émission bi xam naa incha allah jërëjëf. incha allah merci beaucoup jërëjëf. merci. Voilà kooku c' était Ngouda Mboup di professeur de droit bi nga xam ni moom moo nekk fii ci émission ci université Cheikh Anta Diop te nga xam ni moom comme ni ñu koy waxee rek jaar na Grenoble jaar na Boré Lyon tout ça ci di jàng doon jàngale avant muy dem Sénégal di ko gërëm di ko ñaanal dimanche jàmm di ziar tamit kooku di Dame Thiam moom réew mi la bokk voilà di ko ñaanal dimanche jàmm voilà. Ami Libé ami xaritu jëkkëram ami Libé ma di ko nër a gërëm Ayta Thiaw mi ngi naan ma ndax y' a la clim dans le studio effectivement j'ai pas de clim mais il fait excessivement chaud aujourd'hui en France et puis il fait plus de 30 degrés à Bordeaux 32-33 suma jumul avec la lourdeur du temps c'est infernal mais nag di leen gërëm yéen ñëpp parce que lii rek am solo waxtaan bi dañuy jéem a seet rek lan lañ ci mën a tibbee ndaxte kat seetuñu ndax kii état la nekk wa ci pouvoir la nekk wala nekk ci opposition dañuy jéem a seet rek lan lañ ci mën a taataan ba ëllëg ak si biir ku ci nekk sooy toog bay joxe sa carte wala bay défendre sa candidat nga xam ci ban anam nga koy defee waxuñu nag ne tey Khalifa Sall dafa sàcc wala Khalifa Sall sàccul ngeen baal ma si kaddu gi waaye dañ doon seet rek ndegam CDAO nee na procédure bi jaarul yoon loolu di beneen anam boo xam ni gis nañ ni ba nan ko def ba tëj ko tamit dafa jaarul yoon te dañuy jàpp ne ñun tamit dañu dëkk ci benn réew boo xam ni ñii na nga France ñii nga États-Unis ñii nga fu nekk suñu amee procédure des fois bu jaarul yoon dañuy libérer immédiatement le prévenu kon nag di loo xamee ni ñun yàgg nañ ko di gis moo tax ñu doon laajte ndax Khalifa Sall dafa war a génn ñu reprendre procédure bi wala déet Ngouda am na lum ci wax biñ ne affaire Karim Wade Ngouda tamit nee na moom tamit fa mu def recours am parce que dafa am un délai boo xam ni jàpp na ko boo xam ni war na ko su ko dépassé bu boobaa radiation day effective mais entre temps il a le droit d'entamer une procédure boo xam ni radiation boobu nga xam ni defal nañ ko ko tey dina ci mën a dellu si ba war a mën a doon électeur en bonne et due forme moom li mu wax donc leer na te wax na tamit ci code électoral bi nee na y' a beaucoup de points sur le code électoral dafa mel ni mbaxalu saalum goo xam ni lépp a ngi ci biir donc finalement day am ay incohérence yu ciy nekk yoo xam ni war nañ koo gën a jël ñu taataan ko ñu xoolaat ko ñu seggaat ko ba mu set wecc ba nga xam ni ëllëg ak si biir dinañ mën di voter dans de très bonnes conditions loolu en résumé la fi Ngouda Mboup wax ci wax na nag naan ni CDAO juridiction est au dessus de la juridiction des pays qui la composent donc su demee ba jël décision pays bi daf ko war a accepté ndax loolu la nu siifee
ci réew yi loolu la ñu siifé ba nopi wax na ni kon ñun ñëpp ñi ci bokk ñëpp CDAO mooy juridiction bo xamni même soudé ce procès dafa nekk en cours mën nga leen saisir bo contrairement ak li am fi au niveau de l'Europe parce que Europe cour européenne du jël mëno fa déposer plainte tank jeexlo recours yi nga xamni mom nga am ci sa bir deuk donc muy ay différence yo xamni éclairer nako fi par rapport à la CDAO tribunal de la CDAO di wax nak nan ay sénégalais sax nga fa sénégalais nga fa donc ay sénégalais agrégé aussi yo xamni ñinga fofu di liggéey kon du juridiction bo xamni amna crédibilité biñ ko wara jox kon nak loolu lañ doon ñew rek pour waxtaan ci xamna ni Zator tamit limu wax lu mata deg la parce que mom tamit amna camp bu muy défendre bo xamni bëgg na léral li nga xamni mo xew ak ci digënté Khalifa Sall ci digënté Karim Wade wala ñeneen waye nak limay wax moy comme niko nguuda waxé lutax duñu gis né ñi ni japp ci bir nguur gi do am kenn kuñ ci japp lutax melni ñi liggéey ñi ni japp ñepp moy ñi nga xamni nekkon nañ fi opposant wala tay jamono ji ñi ngi opposé wu ak nguur gi lutax duñu sét ci société nationale ñi nga xamni jégué nañ nguur gi sét ndax ñi ngi loubal té ku ci lébal duñ la japp niko dañ ko luñ ko daan défé ci jamono Ablaye Wade kon loolu day tay xelu sénégalais ba tax na dañ nan justice kumba am day kumba amul day bi nga xamni mom lañ fi nekké lan moko mëna wéddi tay ci jamono bi en 5 ans de pouvoir en même 6 ans donc yoy yep war lañ ci geustu gën ci mëna waxtaan ba nga xamni ëlëg ak sibir suñu togué ba nga xamni war na no rendre compte parce que dañuy bañ rek ëlëg ak sibir su fi Macky Sall joggé am kenen ku fi ñew daan ci Macky Sall ay daan yo xamni téggu ko fenn loolu day créer ay loi yo xamni daf koy neex pour jël Macky Sall daan ko def ci mom lu ko neex yoy war nañ ko éviter ba nga xamé ni suba ëlëg ak sibir duñ fi nekk di nekk dans un procès de vengeance parce que lolu jëmeleul rew kanam nañu jëma set li nga xamni moy justice ba nga xamni amul kumba am nday amul kumba amul nday ku fi nek ñew so liggeye ci jaaral ko ci yoon Allah kulli alin ñu taccu la waye soko jallale def ci ay dalgati Allah kulli alin ñu daan ci yow loxo nga wala baye ba tamit sum koy def tamit nan koy def ci procedure ba gëna léré ba nga xamni ñepp di lañ ci gis seen bop ba nga xamni fepp fuñ mënti dem tamit dinañ ni leen li ngeen def na jaaduwul té fiñ ko jaarale ba condamné la jaar na yoon dara nekku ci kon nak bu boba duñu condamné juste état mais victime aussi so ñëwé di plaindre dañ ko wara mëna condamné ci bat yoy la leen di joxe dig dajé dimanche prochain même heure même fréquence ci takusanu jollof avec un autre invité sur les ondes de radio c'était Maya Sine Diop sur Eau de Radio et sur Khalima SN so leen ma dégg tout rek xamal ni na fess jërëjëf